Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 7ème manche de ce championnat du monde de tourisme. Nous embarquons à bord de l'Alfa Romeo Giulietta de Fabrizio Giovanardi, l'italien, pour un tour du circuit de Zhuhai en Chine, avec tout de suite le premier freinage. Il y aura 14 virages sur ce tracé. Vous en voyez le dessin assez particulier, beaucoup d'épingles et de virages très très lents, entrecoupés de grandes lignes droites, des opportunités de dépassement. On va le voir tout de suite avec cette deuxième section. Mais tout d'abord, on enchaîne le premier partiel avec donc une épingle principalement importante, celle du premier freinage. Ensuite, un petit gauche ici, très particulier, puisqu'à droite, on peut aller très très large dans l'herbe en coupant un petit peu le tracé. Deuxième section importante, la grande courbe qui ramène vers un virage extrêmement lent. Il va falloir monter sur les freins jusqu'en première, s'accrocher au vibreur, réaccélérer pour une nouvelle ligne droite. C'est vraiment un circuit de start and stop. Un enchaînement de deux virages à gauche qui se passe quasiment à 90 degrés. Le premier se prend en seconde vitesse, le deuxième en troisième rapport. On peut sortir ici très très large pour arriver vers la dernière épingle de ce circuit. Les virages 11 et 12. Ce n'est pas une épingle directe, c'est une épingle ensuite un léger virage à droite. Voici, et on arrive dans la dernière section du circuit avec surtout une chicane gauche-droite qui se prend assez rapidement et on peut retrouver des voitures en difficulté dans cette section, notamment l'Alfa Giulietta avec ce dernier droit très important où on peut attaquer très très fort les vibreurs. Allez, on se libère de la pit lane et on est parti à l'assaut de ce circuit de Zhuhai. Vous l'avez vu en présentation, hein, ce circuit qui n'est pas très connu, qui est assez particulier dans son dessin aussi, mais qui a quand même quelques points importants. C'est le cas notamment de ce gauche avec ce vibreur ici à droite qu'il faut éviter d'aller trop manger, au risque de se prendre une grosse pénalité. Par contre, pour le reste, on peut y aller vraiment allègrement sur les vibreurs. Pas mal d'opportunités de dépassement sur ce circuit. On va pouvoir attaquer comme il faut. Et je pense que l'Audi peut vraiment être à l'aise sur cette piste. Allez, on arrive dans le dernier partiel, c'est un peu particulier ici. Parce qu'en fait, il faut bien freiner avant et réaccélérer le plus tôt possible pour bien lancer l'auto. Un petit peu de vibreur. Et la ligne droite de départ arrivée qui n'est pas si grande que ça. On déclenche le chrono. Allez, en 3. Peu de sous-virage, mais ça se corrige. Courbe à droite ici qui passe vraiment à fond. Allez, ici. Ah, la deuxième est par passée. Je pensais que je l'avais eu, je ne l'ai pas vu sur le tableau de bord. Quelques dixièmes qui s'envolent. En première ici pour l'épingle. C'est quasiment pire qu'à Macao hein, sur cette section. Voilà, là la voiture a pris la deuxième. Un peu trop tôt d'ailleurs.
Hop, j'ai loupé la corde dans la dernière épingle. Ça, c'est toujours un peu embêtant. Et la Golf devant qui rentre. Bien large. Et ça nous met actuellement en quatrième position avec la petite erreur. Donc on va voir où on sera à l'issue de cette séance qualificative. Voici donc le visage de la grille de départ avec en première ligne les deux voitures du Lincoln Motorsport avec Yann Herlacher et Esteban Guerrieri. Ce sera important hein, pour la suite avec le titre qui se joue entre ces deux pilotes. Ensuite une troisième Honda, celle de Tom Coronel. Ted Björk, quatrième. On sera cinquième aux côtés de Szabo. Szabo qui a fait une très belle performance sur la voiture du Zengo Motorsport. Septième position pour Thompson, donc les Honda du Lincoln fonctionnent bien. Matteo Mola, première Peugeot, 8e, 9e place pour Yvan Muller, avec la deuxième Hyundai du Yvan Muller Motorsport. Rob Huff, 10e, 11e place pour Benjamin Lessen, 12e Fred Verwisch, 13 et 14e les deux Alpha, avec ensuite Michelise. Et dans le reste des pilotes, on notera tout de même la 20e place de Comte, la 21e de Vernet, la 23e de Panis, et enfin Benani ferme la marche en 25e position, c'est parti. Et un envol plutôt réussi, on va tenter de s'infiltrer parmi les Honda avant le freinage du premier droit. On est aux côtés de Tom Coronel. Hop, et on est poussé. On est poussé par une des Hyundai et c'est un gros carambolage au départ. Il y a Ted Björk qui est en tête à queue. Et là, on a perdu beaucoup de place. Et bien voilà, départ qu'on attendait musclé. Ça n'a pas manqué. Drapeau jaune, on repart, on est derrière. Mais Ted Björk derrière n'a pas eu le choix non plus. Ah, il y a eu du ménage dans le premier virage, je ne sais pas qui est responsable, il faudra revoir après la course les images, vous les avez vues en insert. Et on se retrouve donc 11e. Et derrière John Filippi, Fred Verwisch et Yvan Muller, qui sont donc respectivement 8, 9 et 10e. À 19 et 8e pour prendre dans le bon ordre. Alors j'ai beaucoup de boss sur ce circuit, ce qui fait que mon volant zigzag beaucoup quand je la lâche. À une main en ligne droite, c'est pas top, mais faut bien changer de vitesse. Ce qui explique les éventuelles vibrations. Allez, on arrive dans le deuxième partiel. Il y a un gouffre derrière moi, il y a un trou monumental. Je sais même pas si derrière moi c'est Björk, la voiture est tellement loin. Il y aura donc bien les points et les autres. Et non, c'est une Alpha derrière, c'est Chekhon qui a dû passer, ou bien la voiture. De Fabrizio Giovanardi, en tout cas, premier tour couvert avec devant peu de changements avec les deux Honda du Lincoln qui ont pris la tête, semble-t-il. Non, et il y aurait bien la voiture de Tom Coronel qui serait venu se mêler à la bagarre. C'est pas mal. Premier tour couvert donc ici en Chine. J'essaie de tenir mon volant, mais les retours de force en ligne droite, sans zone neutre, c'est compliqué. La sixième pour 50 mètres. Allez, on essaie en deuxième de réaccélérer un peu plus tôt. Pour aller rechercher John Filippi, le français, pour l'instant 10e. On rappelle évidemment que la grille de départ de la deuxième course déterminera beaucoup de choses au championnat. Il reste encore 6 épreuves, hein, sans compter celle-ci, 6 courses. Est-ce qu'on peut aller chercher le français au freinage ? On va être sage. Ah, et Filippi qui donne un petit coup de frein qui nous laisse quasiment passer. Merci à John, le pilote français de l'équipe Campos qui nous cède sa 10e position assez facilement. Et on a vu également Aurélien Comte hein, derrière piégé. Seul Matteo Mola pour l'équipe DG Sport a pu rester dans les points. Hop là, un peu de sous-virage. Bonjour à l'herbe. C'est pas trop grave. C'est vrai que là, les zigzags en ligne droite, c'est un peu excessif sur ce circuit. En seconde, un peu large, on rate la corde. Ça va permettre à Filippi de revenir, peut-être même de passer. Et bien voilà.
John qui sort complexe, revient à notre hauteur avec la première Seat du Team Campos. Et finalement, on va rester devant lui, je pense. Ça va se jouer à pas grand-chose. Dans le dernier virage, un gros survirage pour la voiture. On est dans l'astroturf, ou en tout cas dans le morceau d'herbe au-delà du vibreur. On dirait qu'il y a un morceau de tarmac en plus, au cas où on sort un peu large. Ils ont l'habitude de voir des voitures très très larges dans ce dernier virage. Est-ce qu'on peut refaire l'intérieur à la Seat ? Elodie qui s'en sort bien, mais pas exceptionnel non plus. Hein. Sur ce circuit, on souffre un petit peu. Il y en a même le retour derrière de l'Alfa Romeo qui a refait la jonction. Et le peloton qui se regroupe un petit peu. Hein. Il faut cravacher pour garder le contact avec les voitures de devant. On essaie d'attaquer, mais dès qu'on va un peu trop sur les vibreurs sur ce circuit, on le paye cash. Je suis assez silencieux dans ce début de course. J'essaie de cravacher. J'aimerais au moins rentrer dans le top 10. Pour l'instant, là, Philippi me donne pas mal de fil à retordre. Allez John, ça c'est offert par la maison. Passage en force, il a freiné un peu trop fort et moi j'ai freiné un peu tard. Ça se solde souvent par un contact. Allez, on fait notre entrée dans le top 10 derrière Fred Verwisch, derrière Yvan Muller. Faut qu'on suive maintenant la voiture de Frédéric Verwisch. Et c'est très compliqué de tenir la voiture en ligne droite. Il va falloir baisser un petit peu peut-être les vibrations. Parce que là, ça devient un peu compliqué. On est un peu généreux sur le bord de piste. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de vibrations dans le volant. Ça en devient presque désagréable. On est donc deux Audi dans le top 10, 8e et 9e. On est les meilleurs représentants de Come To You également, avec Berton et Panis qui sont assez loin pour l'instant dans le peloton. Pareil pour Vernet et Shedden. Hein. Très compliqué. Ce sera pas cette fois sur Verwisch. On est revenu au contact, on va faire l'extérieur à Frédéric qui ne va pas insister. On est plus rapide, on a une voiture beaucoup plus performante en toute fin de course. Il reste 4 minutes au chrono officiel et on est peut-être en train d'aller chercher Roboeuf sur la deuxième Golf du Sébastien Loeb Racing. On rappelle que Benani était parti lui dernier avec l'autre Golf.
Et une voiture qui se comporte très très bien en fin de course. À une première épreuve, on a été très studieux. On n'a pas beaucoup parlé. On a été très concentré. Je ne sais pas ce qu'il en est de la lutte en tête entre Guerrieri et Erlaché. Nouveau tour couvert ici. 9e position, on ramènera encore quelques points pour l'équipe comme Comtoyou dans cette première course, mais ça va être compliqué. On avait fait une belle qualification et l'impressionnante performance également de Zabou hein, pour le team Zengo Motorsport. Colle un petit peu à Rebuff. Allez, le champion du monde britannique qui va peut-être céder sous la pression. 2 minutes 25, on est dans l'avant-dernier tour. Et il protège à l'intérieur, c'est de bonne guerre. Attention à la Hyundai de Müller qui est remonté. Müller qui a doublé son vieil équipier adversaire Rebuff. Il était à l'époque sur une Chevrolet qu'ils roulaient ensemble dans ce championnat du monde. Allez, là, on a une belle brochette devant nous. On peut essayer de récupérer un petit peu quelques places, corriger le tir après un départ où on s'est fait tout simplement arrêter net par, je crois, Ted Bjork qui nous a rentré dedans. Je suis pas sûr, hein, mais on a pris quand même un petit tampon au premier droit. Et on a expliqué à John Filippi comment ça se passait. Dernier virage, on le prend bien. Là, on est super bien passé dans le dernier droit. On a un run formidable. On va peut-être pouvoir aller chercher Rebuff à l'aspiration. La Golf qui est là. Et on est moins à l'aise hein, quand même. En milieu de virage. Faudra une bonne sortie. On compte également sur Yvan Müller qui est un peu moins rapide. Peut-être pour nous aider à aller chercher la Golf. Ah, à moins que c'est lui qui va se faire piéger par la Golf. Grosse bagarre entre le Britannique et le Français. À l'avantage pour l'instant de l'Alsacien. On va pouvoir prendre l'extérieur sur la Golf de Rabaf. Peut-être pour s'emparer de la 8e position. C'est fait. On est désormais intercalé entre... Le Français qui d'ailleurs a levé la roue, hein, vous l'avez vu, blocage magnifique de la part d'Yvan Müller. Est-ce qu'on n'irait pas chercher cette 7ème place? On est dans le pare-choc de Müller qui a l'air en difficulté. Hein. Rebuff a eu sa chance, nous aussi. On est un peu trop gourmand sur les libres. 4 secondes, 3, 2... Ah, le temps officiel est révoqué. Allez, on va terminer cette course à une modeste 8e position. On n'a pas pu faire mieux. Ligne d'arrivée. Pour les pilotes et sans doute la victoire d'Erlaché ou de Guerrieri, vraiment dommage. Et le résultat de cette première course voit donc Esteban Guerrieri, Yann Erlaché, James Thompson signer le triplé pour le team Holinkel Motorsport de René Munich. Félicitations à ces trois pilotes. C'est la première fois, je pense, depuis le début de saison qu'on a une équipe qui arrive à mettre les trois voitures sur le podium. En même temps, ils ne sont pas beaucoup à pouvoir le faire, mais quand même, c'est une belle performance. James Thompson donc complète le podium derrière ces deux équipiers qui se battent pour le titre. Nous sommes, quant à nous, bien 8e derrière Yvan Müller, Zabo, Omola et Coronel au pied du podium. Pas mal, donc 4 Honda. Aux 4 premières places. Et ça nous met également une Seat dans les points. C'est assez rare. Et Frédéric Verwisch est 10e. Ce qui nous donne donc pour la grille de départ de la 2e course, la nouvelle pole position qui sera attribuée
à la Honda du Lincoln Motorsport pour Esteban Guerrieri aux côtés donc de Yann Herlaché. Deuxième ligne 100% Honda également. Ensuite on retrouve Matteo, Mola et Sabot. Nous on partira aux côtés d'Ivan Muller, donc Fred Verwisch 10e. Derrière on retrouvera d'autres pilotes qui ont été contraint de remonter en première manche. C'est le cas d'Aurélien Comte, 13e, Benjamin Lessen, 15e, Gordon Shedden, toujours 18e. C'est derrière très compliqué pour Chekhon, qui a été pris dans l'accrochage du départ. 20e position pour le pilote italien de la Giulietta. Et derrière, on retrouvera Panis Benani, 22e. Et enfin, Ted Björk, dernier, qui a pris aussi l'accrochage du départ, doit partir du fond de grille dans cette deuxième course du meeting. Départ cette fois-ci du côté droit de la piste. C'est parti! Sous le commandement des 4 Honda, sur les deux premières lignes, on s'envole pour la deuxième manche de ce meeting de Zouai, avec à l'intérieur une des Peugeot qui va tenter de passer devant pour Matteo Mola. Ça va, on ne s'accroche plus cette fois-ci. Attention à l'extérieur, voilà, Ivan Muller qui part très très large et qui perd du temps. Et c'est Frédéric Verwisch qui va en profiter à l'intérieur avec l'autre Audi. Et là, on a pu travailler en tenaille, c'est pas mal. Grosse pression devant. On est à plusieurs de front, ça passera pas pour tout le monde. Hop ! Et on est légèrement accroché par Ivan Muller. Décidément, ils nous en veulent chez Hyundai ce week-end. Et on a pu laisser passer Verwisch. On a Muller derrière nous avec la voiture de Matteo Mola, je crois, qui a pris un mauvais départ, le pilote de la Peugeot. Non, non, c'est Aurélien Comte. Matteo Mola est bien là. Et Fred Verwisch qui va aller chercher à son tour aussi au Mola. Gros départ là du pilote de l'Audi Come to You. Bien joué de la part de Frédéric Verwisch de s'être envolé de la sorte. Il nous a un peu bousculé au premier freinage, mais c'était de bonne guerre. Alors que devant ça, continue de se battre aussi pour la tête de course avec Tom Coronel et Thomas Sabot qui est venu se mettre devant James Thompson. Ah, départ sans complexe. Hein. Pour le pilote de la Seat Cupra qui finalement va abdiquer. Attention, c'est chaud également entre Mola et Verwisch. On est derrière en embuscade. Peut-être de quoi aller chercher de gros points pour le championnat. Allez, en deuxième pour le premier passage ici. Un petit peu de temps. Hop, et nouveau contact. Non, mais là, il m'en veut vraiment. Hein. La Muller, sincèrement, c'est pas très sport. Ça fait deux fois qu'il essaie de mettre un taquet. S'il comprend pas, on va lui expliquer. Attention à Verwisch qui est sorti très large. Il perd du temps. De quoi permettre à Muller de refaire la jonction. On a Aurélien Comte derrière nous. Premier tour couvert dans cette deuxième épreuve. Et on est encore touché. On est parvenu à la tenir. Mais ils sont déchaînés. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'air de Zouai qui énerve les pilotes. Agressivité là de la part de la Peugeot d'Aurélien Comte, qui est assez discutable une nouvelle fois. Et Fred Verwisch qui est perdu. Il est dans tous ses états. Le pilote Come to You qui laisse passer la Hyundai d'Ivan Muller. Alors on va essayer de dépasser Fred assez rapidement sans le gêner, pour ne pas qu'il perde plus de temps que ça. Hop, et il se défend. Et finalement, première à l'épingle. Ça va être chaud. Ah, on essaie de pas perdre du temps et on fait pire que mieux là. À se battre à deux. Ça va, l'Audi qui abdique. Alors, Yvan, mon ami. Yvan le terrible. Hein. Dans cette deuxième course, faut pas s'énerver, faut pas surconduire, sinon on va perdre du temps plus qu'autre chose. Laissons les choses venir tout doucement. Il sera toujours temps de faire quelque chose. Peut-être une voiture trop appuyée sur l'arrière pour me défendre. Muller qui est déchaîné, hein, clairement. Il est venu faire le ménage. Allez, il y va sur Omola et nous on perd beaucoup de rythme. Et Omola qui va se faire doubler par la Hyundai, hein, qui est décidé à aller chercher de gros points. Aucune résistance de la part du jeune pilote slovaque. Oh putain, ce zigzagement. Oh, et on bloque les roues dans le premier droit. Fred qui arrive derrière. Ah oui, forcément, on est complètement largué là sur ce coup-là. Bon, la voiture qui a beaucoup de mal à rentrer en virage dans cette deuxième épreuve. M'étonnerait pas qu'il y ait eu quelques petits dégâts. Grosse bagarre avec notre ami Fred. On fait l'extérieur, on prend le gendarme couché, mais on passe. Ça aurait dû être beau à voir en extérieur ce saut de vibreur.
Et on retrouve Müller puisque Omola s'est bien défendu et est repassé devant l'Alsacien. On réaccélère dans ce deuxième partiel. Toujours à la chasse des points. On a déjà fait une belle performance malgré tout de tenir la voiture alors qu'on aurait pu être en tête à queue 2-3 fois hein, depuis le début de la course. Alors que Müller protège à l'intérieur. Bonjour, on vient frapper à l'extérieur. On pourra pas dépasser mais au moins on se montre. On a toujours ce sous-virage, hein, très problématique sur certains virages avec cette voiture. Mais je sais que la voiture se bonifie avec les tours. On va essayer d'en profiter pour revenir au contact du français. On est pas mal dans ce dernier secteur. Va falloir prendre une belle dernière courbe. Allez, on s'accroche au vibreur. Ah là là, ça marche pas. Mon gant est allé toucher mon bouton de launch control. Ça peut arriver. Allez, on ne lâche rien. Il reste un peu plus de 6 minutes dans cette épreuve. On n'a pas dit notre dernier mot face à la Hyundai d'Ivan Müller. Ça chauffe. Allez, merci beaucoup. À la prochaine, Yvan. On est passé, mais rien n'est fini. Hein, parce que la Hyundai, on sait, est très très bonne sur certains secteurs qui arrivent. Et on pourrait récupérer rapidement notre 8ème place. Hein. On va pas vendre trop vite la peau de l'ours, mais là. Alors, on est bien passé par contre, c'est une bonne chose. Allez, il faut garder l'espoir dans cette voiture. L'espoir et le rythme, c'est important. Oh, et bien là, freinage complètement loupé. Il en faut pas plus pour Müller. Je sais pas pourquoi j'ai freiné, ça a bloqué assez rapidement là les roues. C'est bizarre. Ça va, beau passage dans le dernier partiel. Vous voyez qu'on gagne très vite du temps hein, quand on passe bien. Allez, Fred qui peut aller chercher Müller, ce serait bien pour la 8ème place derrière, on le voit dans le rétroviseur. Hein. Cette deuxième Audi qui pourrait aller nous rejoindre. Voilà, un petit peu de souplesse dans le freinage. La partition a l'air d'être un petit peu différente. Et donc un peu plus adaptée à la balance de l'auto. Allez, on donne tout, il faut rejoindre cette section de tête avec devant nous la Peugeot de Mato Omola, la Cupra de Thomas Sabot. Alors je confonds toujours Thomas et Zorb Sabot, ce sont les deux, je crois que c'est Zorb Sabot. Mais il y a également Thomas Sabot, je crois qu'il roule en TCR Europe, si je ne dis pas de bêtises. Qui a tendance à beaucoup bloquer hein, le train avant. On va voir si en mettant un peu plus à l'arrière ça va l'aider à balancer un peu. Allez, il reste 3 minutes 25 dans cette épreuve. 3 tours de course encore ici à Zouaï. Et on est bien parti pour essayer d'aller chercher. Ah, on va être ambitieux, peut-être un top 5 si on peut aller rejoindre ici la 308 qui est un peu large. On est bien mais pas exceptionnel. Ouais, gros problème de frein sur la voiture. Allez, oh, le sous-virage dramatique dans certains virages. Faut dire j'arrive très très vite hein, parfois donc il est logique mais
Tu essaies vraiment de titiller la limite de la voiture en freinage. J'essaie de me battre un peu avec ma répartition. Là, on est pas mal. À la chasse de Mola. Ça peut se concrétiser rapidement. Allez, il faudrait le passer avant la fin de ce tour si on veut espérer aller chercher Szabo sur la Seat Cupra du Zengo Motorsport. Motorsport, pardon, c'est pas allemand du tout, Zengo c'est hongrois, donc pourquoi je dis Motorsport? À l'image par contre du Hollinkel qui est en train de nous faire un bis répétit hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec les trois Honda aux trois premières places, je pense que ça enterrerait définitivement là le classement constructeur. À James Thompson qui a été très transparent depuis le début de saison, qui là se réveille au bon moment pour asséner le coup de grâce peut-être à DG Sport et à Come To You, parce que là on peut rien faire hein, clairement par rapport à l'équipe Hollinkel. Ça va être compliqué hein, d'aller chercher ce top 5. Szabo qui résiste. Également une belle performance de la part de Matteo Mola. On a un peu fait le trou face à Fred Wörwisch. Hein. Fred qui est monté 8ème. C'est bien pour la suite des événements. Et là, on semble avoir trouvé la bonne répartition de freins. Il reste une minute. On est dans le dernier tour de course. Allez, cette Peugeot doit sauter. On va tout faire pour aller la chercher. On va être un peu loin pour lancer l'attaque de là, mais on va voir. S'il ne ferme pas la porte, on va peut-être plonger. Oh, il s'est loupé! Oh oui, vous l'avez vu, il s'est un petit peu déstabilisé, Matteo Mola. Allez, portière contre portière, on joue des coudes. Et on joue des gros points et on passe devant le pilote slovaque. Avec sa Peugeot, il va rester deux partiels pour aller chercher peut-être la Seat. Oh, et on a une voiture qui en toute fin de course est vraiment, vraiment bonne. En équilibre. Est-ce que Szabo va résister ou pas? Le pilote de la Seat, il reste un gros freinage, c'est ici ou jamais. Oh, ça va être compliqué à la relance, il écarte un petit peu, c'est notre chance. Oh, et on est passé! On s'empare de la cinquième position, bien joué! Oh, on lui a fait peur, je pense à Szabo dans le dernier freinage. Et ben voilà, magnifique cinquième place, je suis super content de ce comeback dans le dernier tour, j'y croyais pas. Et finalement c'est fait, il va rester 4 courses dans ce championnat, victoire de Yann Herlaché. Formidable duel entre les deux pilotes de Honda. Qui termine donc devant James Thompson. Ça, c'est important par contre. Deuxième place pour le Britannique. Je crois que c'est son premier podium cette saison, ce week-end. Donc, ça en fait deux le même week-end. Pas mal. Au niveau du reste du classement, nouvelle quatrième place pour Tom Coronel. On termine dans le top 5 devant donc Szabo. Suivent derrière nous notamment Fred Wörwisch 8e, Yvan Muller 9e et Aurélien Comte 10e. Robuff échoue aux portes des points. On va retrouver le Français Yann Herlaché en tête pour deux petites unités. Trois même, devant Esteban Guerrieri. Nous sommes toujours troisième du championnat. Bon, sauf succès de toutes les courses et abandon des Honda, on peut plus être titré. Donc on va essayer de conserver la troisième place. C'est mieux que ce qu'on pensait. On est fortement aidé par les déconvenus de Jean-Carl Vernet, quatrième. Aurélien Comte qui se retrouve cinquième au général. C'est quand même limité aussi. Mais c'est très serré derrière avec Matteo Mola, Norbert Michelis et Yvan Muller à 73 points. Pas mal aussi, 70 points pour Gordon Chedden, Pepe Oriola et Tom Coronel qui profitent de deux bons résultats ce week-end pour se placer juste derrière avec 62 points. Pour le reste du classement, Fred Wörwisch rejoint la 15e place. Devant, il y a Benjamin Lessen, Nathanaël Berton est quand même 13e avec l'autre voiture Come To You. Et le petit dernier, c'est John Philippi qui est le seul pilote à ne pas avoir marqué de points cette saison puisqu'il a 0 points. Voilà donc ce qu'il y avait à retenir lors de ce meeting de Zhuhai en Chine. On se donne rendez-vous pour une avant-dernière étape. Elle aura lieu en terre japonaise à Motegi. Le Twin Ring Motegi qui nous accueillera pour la 8e manche. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour la suite et la fin de cette saison. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao.